c'est le match retour et je dirais que c'est le match peut-être le plus important de ces play-offs 2, à savoir que demain, il n'y a pas d'autre issue que les deux équipes doivent gagner, et Charleroi et aussi bien que OHL. Un nul n'arrangerait pratiquement personne, mais ça permettrait de rester toujours en course pour gagner ces play-offs 2. Non, pas du tout. Il suffit de voir le classement à l'issue du championnat classique. Donc OHL a terminé devant nous. Mais n'est certainement pas inférieur à OHL, puisqu'on l'a démontré lors de leur visite ici il y a une quinzaine de jours. Donc on a montré que Charleroi pouvait aussi faire mal. Mais on sait que cette équipe, elle n'a pas d'intermédiaire. Elle est soit très performante, ou soit elle est défaite. Il suffit de voir le score encore de la semaine dernière, où ils vont gagner 1-5 à Malines. Donc je crois qu'on n'est pas supérieur à OHL, mais on n'est surtout pas inférieur non plus. Ça va se jouer dans la détermination, l'équipe qui aura le plus envie, l'équipe qui aura le plus de réussite et l'équipe qui va avoir le plus d'occasions de but. Et là, ils ont beaucoup d'arguments, OHL. Ah ben voilà, je veux dire que c'est leur match. On a après un match ici en cours de gala contre Malines, le dernier c'est play-off 2. Et si on veut qu'il y ait encore un intérêt lors du dernier match, c'est à eux de réussir le match à OHL en laissant encore un peu d'espoir pour ce dernier match contre Malines. Je crois que c'est à eux à décider s'ils ont envie d'aller plus loin ou pas. Mais bon, on sait que le parcours n'est pas facile du tout. C'est tellement le groupe où il y a le plus d'équipes qui se tiennent de très très près. Donc je répète encore une fois, ça va se tenir à peu de choses. Mais ici, la détermination et le mental auront une très très grosse influence sur le résultat.